encore une fois, nous là, nous toujours présents pour nous porter bon genre de détails, bon genre d'informations sur vous, pour vous. Et pour nous venir parler de rituel et prière, c'est émission Panou qui a rapport avec Génio, Angio. Et pour cela, nous allons clôturer et émission avec dernier Génissa qui a rapport avec lundi 8 juin 2023. Et cette roue, nous en avance, c'est que nous déjà, parce que chaque jour, nous obligés pour des 5 génies pour vous. Et nous disons que génie que nous avons parlé, c'est le 6e génie qui a rapport avec le rituel de Yé. Et le rituel de Yé, là, il y a un ensemble de génies qui a rapport avec lui. Puisque nous avons le rituel de Yé, c'est le 2e rituel de Yé. C'est le qui a rapport avec le génie. C'est le 6e génie, c'est Lélael. C'est L-E-L-A-E-L. Son séraphin lié. Caractéristique li c'est intériorisation de la lumière, tout comprendre. Et pendant ce temps, nous bon aller sur Google, nous écrit que Genesis Léael Séraphin, petit détail pour nous, nous dit c'est Léael est un ange qui détient le pouvoir de guérison si votre plan de vie le permet. Léael peut vous aider à développer ce don. Et pour cela, Léael est également l'ange protecteur des amoureux. Son énergie angélique les aide à diffuser l'amour qu'ils ressentent. Ça veut dire, c'est ensemble de détails, tout en a cherché, il y a pas de détails. Il y a du Léael est un ange qui aime être représenté avec du harpe, car il aime la musique. Son ange qui aime la musique, il est d'une grande douceur, il est comme une autre musique. Ça, c'est tout détail, mais toujours mando, c'est ça notre force à la radio télé causé vaudou. Émission ça nous porter pour cette émission pure, positive, qui a rapport avec les génies qui sont au-dessus de nous. Et pour cela, vraiment de nous, toujours faire recherche, toujours aller sur Google, à chaque fois ce vidéo nous, partager, commenter, liker, abonner avec Chanel là, qui c'est Chanel Radio Télé causé vaudou. Notre mission, c'est porter bon gens d'informations, de bon gens connaissances pour vous, et ces connaissances que nous connaissons qui positives, qui va permettre comprendre, expérimenter sur le plan spirituel. Pour cela, j'aime dire là, c'est ensemble de caractéristiques ça yo, qui a rapport à ange et génie ou séraphin, le sixième génie qui a rapport avec le rituel lié. Et pour cela, nous connaissons là son rituel lié. Et nous t'expliquons qui ça comme rituel et lié rapport tout avec le 5 à prier, machine à prier, qui le 5 cabal qui ont petit cercle, un petit cercle circoncis à l'intérieur du grand cercle, qui ont 3 triangles, une flèche qui sont orientées vers l'est. Nous connaissons les laisser symboliser. Ou Nelson qui est en comprendre ça, m'a dit là. L'est symboliser le bonheur, il symboliser la joie, il symboliser l'énergie positive. Pour cela, et nous connaissons que à chaque fois, l'offre commence à entrer dans plein rituel où que personne pas garder un jour et s'y aller ou après ça rituel là. Nous parlons de rituel là qui mourir. Et pour cela, nous expliquons qui sont de fait pendant un dans ce là. Et pour ce et après nous parlons au nous parlons réciter prière. Quelle est le prière qui a rapport avec le 6e génie cap lundi 8 juin 2023, lundi 8 juin 2023 qui c'est Léael qui s'allie, il dit après avoir effectué le rituel en vigueur, c'est le rituel lié, il dit lire et prononcer la prière suivante. Qui prière dit l'ange, j'enverrai ma lumière dans ton fort intérieur. Tu ne seras plus l'objet de difficultés ni de soucis, ni de violence d'aucune espèce. Ma lumière sera en toi et te protégera. Qui oserait attaquer à toi lorsque ma lumière t'illuminera et éclairera ton chemin, tes actes? Je suis heureux de former avec toi une communauté basée sur la lumière et je décide de la rendre éternelle. Léael, éclaire-moi pour que je puisse éclairer mes proches. Pour le plus grand bien de tous, je vais tout comprendre et tout faire comprendre à tous. Ça, c'est le prière à faire. Et cap lundi 8 juin, et avec ce génie qui s'est
Séraphin, Léa M. Et pendant sur Google, nous faisons toutes ces recherches ça pour essayer de garder ces bons liens, dit son ange et par excellence de la bonne santé et son ange qui guérit blessures physiques et morales, lui remet musique, lui grand grande douceur et son ange tout de protecteur des amoureux et son angélique lui et son énergie angélique les aide à diffuser l'amour qu'il ressent. Ça lui dit, ils sont un jour qui détient le pouvoir de guérison si votre plan de vie le permet, l'IAL vous aider à développer ce don. Ça lui dit que c'est ensemble de détails, mais essayez d'aller chercher sur ce génie qui c'est sixième génie, l'IAL Séraphin qui gagne rapport avec le 8 ciel de vie. Pour cela, c'est bon genre de détails, bon genre d'informations, côté que moi t'ai porté pour vous. Et le dernier génie qui c'est Léa Hel pour cette si belle émission qui c'est émission rituelle et prière. C'est une émission qui prend naissance avec moi-même, notre serviteur Saint-Fleur Grégoire et le staff et tout staff technique de la radio Télé-Causé Vodou pour porter bon gens détails, bon gens informations. Bon. Pas oublier que toujours aller dans l'émission précédente pour essayer de comprendre, pas trouver qui s'accrituel de IA, qui s'accrituel de là, qui soit besoin à réciter, qui soit besoin de réciter, comment on va faire machine que le 5 à prier, qui a rapport à ça dans la discussion. Pas oublier que une chose qui est important, que le rituel de IOD ou de IA, il a rapport avec flèche qui sont des VLS, qui permettent de recevoir du réconfort moral, physique et le fluide positif en nous. Ça, c'est tout ça. Et par là, surtout, il y a une chose qui est importante, que les prières adressées à Dieu et à la Vierge au sein des différentes religions sont entendues par les anges. Un jour là au-dessus de nous, il y a la prophète intermédiaire entre nous et le grand architecte de l'univers. C'est pour cela que nous créons cette cadeau, nous créons si belle émission ça, qui c'est rituel et prière en façon pour nous porter bon genre de détails, bon genre d'informations positives pour nous. Merci, à la prochaine. Et moi pensez demain mardi, lundi prochain pour nous porter et continuer par l'eau concernant et septième génie qui a un rapport avec mardi et qui a un nom, c'est Akaria. Merci beaucoup. À la prochaine.